Hey, salut à tous, c'est NT. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais dit ça. Allez, on va se mettre les cheveux rouges, c'est parti. Waouh, c'est pas mal. À 20 000 pouces bleus, je me fais la coupe de mon dresseur. Ce qui inclut la couleur. Oh là là, dans quoi je me suis lancé? Mais non, mais de toute façon, jamais, jamais on va y arriver à ça. Jamais on va arriver à 20 000 pouces bleus. Et les 20 000 pouces bleus sont arrivés. Donc aujourd'hui, nous allons me faire ma coupe de dresseur Pokémon. Je me rends aujourd'hui sur un salon sur Paris qui a accepté d'ouvrir ses portes un dimanche pour me faire ma coupe dans une intimité incroyable. Vous allez donc voir ma nouvelle coupe de cheveux. On notera que j'ai enfin installé un sapin de Noël chez moi, et donc ça c'est très très cool. Et sachez que je stresse de ouf, je ne sais pas, je suis censé avoir les cheveux rouges vifs à la fin de cette vidéo. J'ai peur, en plus je me suis même pas rasé, donc je sais même pas ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On se rapproche dangereusement du salon. J'ai mon soutien psychologique à côté de moi qui est Loïc. Salut. Il jugera également la coupe. Je me moquerai si besoin. On a encore 5 minutes de marche, on est venu en voiture. Parce qu'en ce moment, vous savez, il y a les grèves de métro, tout ça. Et donc on va devant le salon qui s'appelle Chic and Cheap. Je vous montrerai ça. Ah, c'était ouvert. C'était ouvert. Ça va bien? Tranquille. Salut. Bonjour, Ruben. Loïc. Enchanté. Tu vas bien? Et toi? Ouais, bah écoute, tranquille. Ouais. Merci d'ouvrir pour nous. Il n'y a pas de problème. C'est super. Bon, alors cheveux rouges? Bah cheveux rouges, ouais, ouais. Bah c'est le défi, hein, le défi. Donc, j'ai vu la vidéo. Cheveux rouges, et puis il faut que ce soit bien rasé sur les côtés. Donc, Et les côtés, tu veux du rouge? Je sais pas comment... En fait, c'est toi aussi le professionnel, donc c'est aussi à toi de me conseiller. Ouais. Je sais pas si on peut faire un truc genre peut-être un dégradé vers du rouge vif qui est au-dessus ou pas. Enfin, ça, ça va être compliqué. Ça, c'est compliqué, ok. Vas-y, vas-y. Mais après, les côtés, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux du rouge sur les côtés ou pas? Oui, oui, je veux du ouais. rouge sur les côtés. Ouais. Bon, ouais. Bah allez, on allez, fait du rouge ouais, sur les rouge côtés. Et tu veux la petite pointe aussi? Ouais, j'ai vu ça. La petite pointe, on va voir. On va voir. On va pas faire parce que c'est... Un beau petit triangle. Voilà, je fais du rouge sur les côtés, déjà c'est pas mal. Là, je crois t'avais. Ouais, enfin. Donc du coup, le salon c'est Chic and Cheap et c'est dans le 20e arrondissement. Exactement. À Paris, c'est ça. Et donc c'est Ruben. Enchanté. Qui va s'occuper de nous aujourd'hui. Tu m'as été recommandé par Retake. Exactement. Ouais. Et voilà, et il m'a dit je connais un très bon coiffeur, il pourra te faire tout ce que tu veux. Donc j'étais en mode ok, on va faire ça. C'est parti. Merde. Le cours ou c'est bon? Qu'est-ce qu'on en pense les... Vos avis? Ah oui. Ah, bien le courant. Dégradé à blanc, c'est bien là. Là, je suis pas à blanc. En vrai, ouais, ouais. Mais non, mais je pense qu'on est bien là au niveau longueur. Allez, en vrai, c'est ce que je fais aussi comme bien. Dégradé chez les 3. Mais comme t'es brun, ça passe beaucoup mieux. Ouais, parce que j'ai la peau plus foncée, les cheveux exact. Plus foncés. T'as Loïc qui se marre derrière, c'est incroyable. Moi, je vais faire que de me marrer. Ça, c'est t'as jamais fait au Fico? J'ai dû faire court comme ça une fois. Ça me dit un truc, ouais. Genre, quand c'était pas fait vraiment exprès non plus. Ah, comment ça c'était pas fait exprès? Je sais qu'il y avait des fois où t'allais chez le coiffeur et ça te convenait pas, genre il loupait et du coup tu demandais à recouper plus court. Mais c'était quand j'allais c'était à l'époque où j'habitais à Porte de Montreuil et j'étais allé au coiffeur qui était rue de Paris et il y en a qui sont très mauvais, il y en a qui sont bons mais il y en a qui sont très mauvais. C'est coiffeur c'est à partout, hein. Coiffeur à 7 euros. Ouais, c'est du rapide. Hein. Ouais, c'est du rapide et... C'est bon, laisse comme ça? Bah, tu... Ouais. Après oui, c'est vrai que si tu veux me faire chier, tu dis voilà, c'est fini. Et là, je suis dans la merde parce que pour retrouver un coiffeur un dimanche... Bon, il y a des coiffeurs à 8 euros, ils sont ouverts le dimanche. Tu sais, moi, j'aurais pas spécialement coupé dessus. Hein. Et bah, si tu veux, longueur dessus, hein. On coupe pas, hein, si tu veux. Après, on peut couper après quand on aura fait le rouge, tu vois. Ouais, ok. Bah, si tu veux, on coupe pas. Hein. Moi, je pense qu'on dégrade bien les côtés. Ok. Et, bah, allez, on fait ça, ouais. Parce qu'il y a pas mal ta longueur, même pour coiffer, tu vois, c'est ouais, pratique quand il y a la longueur. Ok, ok. Après, c'est comme tu veux. Non, mais t'as raison. Bon, je te présente le fils de ma collègue. Ouais. Il est fan de toi. C'est vrai? Ouais. Bah coucou, comment tu t'appelles? Caron. Caron, tu voudras avoir une photo avant ou après la coupe? Ou pendant, hein. Tu peux avoir le comparatif. Plus gros, là. Si tu prends une photo maintenant, t'as avant le rouge et puis après t'as après le rouge. Avant le rouge ou après le rouge? Après le rouge, ok, ouais. Bah pas de soucis. Bon, ça peut picoter un petit peu, hein. Ok. Mmh. La déco, c'est ce qu'il y a de plus fort. Après, décoloration, j'en ai déjà fait une. Quand je m'étais fait du blond. Ouais. J'ai fait du blond, j'avais fait une décoloration. Un pote à moi qui a fait ça. Mmh. Ouais. L'avantage, c'est que t'es pas foncé. Donc ça va prendre ouais. vite. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir une grosse décoloration. Ok. Donc tu m'as dit même les côtés, hein. Ben. Ouais, hein. Ouais. Ouais, okay. Ah, on parle là-dessus. Même les côtés. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Mais ça s'arrête où à peu près? Au niveau de la barbe? On arrête ça où? Ah ouais, je l'arrête là, bah ouais. Ok, d'accord. J'arrête là, hein. Ok. Ça va pas faire de démarcation nette, de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais, ça va faire... Un peu plus fondu, mais bon.
Heureusement que vous êtes là, parce que si vous étiez pas là, moi j'aurais dit ouais, on fait juste le dessus. On fait que le dessus, hein. Ouais, mais ce serait moins marrant. Ah, ce serait moins marrant, ça c'est sûr. Parce que dans le jeu, il est rouge partout. Ah, dans le jeu, il est rouge partout. Hein. Ouais, même ouais. Les côtés. Ouais. Un peu plus clair sur les côtés, mais ouais. Ouais, mais parce que c'est plus rasé, c'est en fait. Plus rasé, c'est pour ça. Ouais. Moi, je joue beaucoup à Pokémon Go. J'ai arrêté là. Ok. Ah non, nous on joue encore. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah moi j'ai l'avantage de quand je vais faire une chasse Pokémon Go, je préviens sur Twitter et les gens viennent en fait. Et on est facilement entre 20 et 100 personnes en fait, ça dépend des jours. Moi je le rallume de temps en temps parce qu'ici on a une arène. Ouais. Donc des fois quand je vois des raids, quand je vois il y a 20 personnes devant le salon, tu te dis allumer. Bah ouais carrément. T'arrêtes ta coupe et tout et tu vas. Ouais. Melody. Ouais. Tu peux juste me donner un peu de 40 ou même du 30. C'est la crème solaire. C'est ça. Ça pique toujours pas? Non, ça va. Non, ça, tu commences à devenir peut-être un petit peu par endroit, mais ça va. Donc t'es sûr, la barbe part rouge. Ah non, la barbe part rouge. Oh allez, ça se rase. Non. C'est vrai que ça se rase, hein. Non, la barbe part rouge. Et en plus, en deux semaines, ta barbe, c'est réglé, hein. Non, la barbe. Tu fais un prochain défi, ok. Ouais. On fera la barbe, peut-être. Mais là... Non, c'est pas chaud. Tes pensées sur cette étape intermédiaire? Franchement... Probablement, je trouve ça va. On dirait que je suis un méchant, tu sais, dans un film, mais où le méchant n'est pas trop méchant quand même, tu vois. Dans un Far Cry, je pourrais être un méchant. Il n'y a pas un méchant dans un Far Cry qui a les cheveux un peu blond-blanc? Si, Far Cry, dans le 4. Ouais, 4. Le costard rose. Ouais, voilà. Et ben, ça me fait un peu penser à ça. Une position tout à fait agréable, hein, Julien. Bon, ça va, en vrai. Tu te sens pas du tout vulnérable. Non, moi, j'aime bien, moi, aller sur le bac avec les... Avec les coiffeurs. Des fois, il y en a même, ils font des massages, des fois. Ah ouais. Ça rend comment, Lucas? Ça rend jaune. Okay. Tu connais Dragon Ball Super Saiyan? Ouais, bah ouais. Voilà. Pas trop. Non, mais la dernière fois, j'étais déguisé en... L'autre, là. Comment il s'appelle? Sangoku. Bah, Sangoku, ouais, voilà. Le héros. Ça va me rappeler le moment où j'étais un peu blond, tu vois. J'avais une petite mèche blonde. En vrai, c'est... Ouais, en fait, c'est parce qu'ils sont mouillés, ils ont l'air un peu plus foncés, du coup. Ouais, ils font jaune plus foncé, mais quand tu sèches... Ça donne un jaune poussin. Ah. Donc là, t'éclaircis encore? Non, ça c'est juste pour neutraliser un peu les reflets que j'aime pas. Ouais. Moi, je mettais du shampoing bleu. Pour les mèches, ouais, c'est ça, c'est tu neutralises les reflets. C'est du shampoing bleu là? Ouais, ouais, c'est regarde, ça. C'est tout violet. Ah ouais. Je vais découvrir ça au montage, ça va être incroyable. Quand tu vas passer les fêtes avec cette coupe de cheveux. Mais attends, ça va être beaucoup trop cool. Je vais avoir les cheveux rouges, je mets un pull vert, ça fait Noël. Hein. Ouais, ça fait Père Noël. Hein. Incroyable. Direct. En plus, je passe Noël en famille, ils sont pas kiffer. Au courant. Tu veux qu'on laisse comme ça? Oh bah écoute. T'aurais choisi blond doré, hein. Franchement. Allez, viens, on va sécher. Ça, tu Ah bah là, ouais, ouais, là tiens, ouais, carrément. Ouais, là, ça fonctionne, hein. Ah ouais, là ça fait... C'est une panna cotta. C'est ça. On dirait un peu, hein. Je vais pas dire à quoi ça ressemble maintenant. Confiture de framboise. Ouais, on va dire ça, ouais. On dirait un fromage blanc avec de la confiture de framboise. Mmh. J'attaque. Vas-y. Allez, de retour en arrière possible. Voilà, ça y est. Oh, si tu fais juste les contours et que tu laisses le truc, c'est incroyable, incroyable. Un cerceau, ouais. Oh là là, un panier de basket. Non mais, on a la chance quand t'es youtubeur et que tu bosses sur internet, tu peux te faire n'importe quel coup, n'importe quel truc et ça fera juste rire les gens et voilà. C'est... Tu supportes quelle équipe de foot là? Lens. Dijon, c'est rouge. Coupe sur la barbe. Oups. Ah bah j'ai mis un. Ah j'ai mis sur la barbe, bon bah faut tout faire ça. Maintenant. T'es célibataire non? Ouais. Bon, bah encore pendant 2 mois. Hein. Allez, on fait les sourcils aussi. Oh là. Le mec il veut pas il faire la barbe. Il est parti. Il veut pas faire la barbe mais il veut faire les sourcils, tu imagines? Ou juste la moustache. C'est... Ah non, ça. Tu vas être jaloux de ma barbe Loïc, je suis sûr. Ouais. C'est vrai? Non. J'ai jamais eu une barbe aussi bien taillée. Est-ce que, ouais, on la descend encore un tout petit peu plus basse. Comme tu veux. Ouais, ça sera mieux. Pour tes bras. Ouais. Ah ouais, très très cool. Faudra juste que je te mette un petit coup de là. Ok. Je le ferai après ça. Ouais, ok. Allez, on go. Tu me feras les jantes aussi, s'il te plaît. 5 minutes et je t'enlève tout. Ok. Par contre, wow. La température, j'ai les gants, tu me dis ce que t'en penses. C'était chaud. Un peu chaud, ouais. Un petit peu chaud. C'est un beau rouge, magnifique. Ah. Magnifique. C'est bon là? C'est bizarre quand on dit oulala et qu'après on dit c'est joli. C'est un peu contradictoire, mais. Non. Burk, qu'est-ce que c'est incroyable! Mais sur les côtés, ça va pas tenir très très longtemps. Ok. Dès que ça va repousser un petit peu. Ouais. En deux semaines, c'est réglé.
On est bon? Bah ouais, ouais. C'est bon, on peut plus rien faire. Ah bah ouais. Là, attends, je vais t'enlever tous les cheveux. Vas-y. Alors, Julien? Eh ben, en vrai, moi j'aime bien. Hein. En vrai, moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Toi, t'en penses quoi? Écoute, ça fait bizarre, mais on va finir par s'habituer, je pense. Peut-être demain matin, me réveillant, je vais me voir dans la glace et je vais dire merde. Ouais, ouais, je vais dire, j'ai vraiment fait, mais en vrai, non, c'est bien. Puis regarde la barbe, me fait un truc de ouf. Alors, on en pense quoi? C'est pas mal. C'est bien. Ouais, j'aime bien. Là, j'aime bien. C'est. Tu vois, quand je me vois, tu vois, dès que je me regarde, je suis quoi? Mais ça. Et en vrai, en dehors de la couleur, la coupe est bien. Ah, la coupe est. La coupe est parfaite. C'est bien si la coupe est ouais, bien. Ouais, ça c'est cool. Tu veux la connaît pas. Je veux la même, ouais. C'est vrai? Non. On est donc sorti du salon, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, on va se retrouver eh bien, chez moi pour faire un petit comparatif avec la coupe de mon dresseur pour voir un petit peu si ça ressemble vraiment. Et en tout cas, bah, merci encore une fois à Chicken Chip. C'est dans le 20ème à Paris et très sympa. Ruben a été très accueillant et très, très bon au niveau du conseil. Donc c'était très très cool. Merci à lui. De retour chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette couleur là? C'est bien vif hein, là dans le décor, hein, ça rend bien. Bon, je me suis habillé un petit peu comme mon dresseur. Regardez, mon dresseur est habillé comme ça. Je me suis habillé à peu près pareil. La marinière est pas la même, le hoodie est pas le même. Mais bon, voilà, pour la comparaison, vous avez. Est-ce que le défi est relevé? Dites-le moi. On n'a pas derrière, hein, bien entendu, la petite pointe. Parce que... je vous avoue que c'était un peu compliqué à assumer. Déjà les cheveux rouges partout, c'est déjà pas mal. Dites-moi si le défi est validé les amis ou s'il ne l'est pas, vous me le dites dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir respecté quand même mon pari. Des 20 000 pouces bleus, eh bien je me faisais la coupe rouge. On y est les amis, ça va rester pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, je suis quand même assez satisfait. Je suis quand même assez satisfait de ce qui se passe. C'est pas si mal que ça. En vrai, ça passe. On peut s'y habituer. Dites-moi si vous allez vous y habituer. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Parce que, les amis, je fais ça quand même pour vous. Parce que vous avez laissé des pouces bleus. Donc, continuez à en laisser. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je remercie encore une fois Ruben du salon Chic & Chip, qui est dans le 20e arrondissement à Paris, si vous voulez aller lui faire coucou, ou si vous voulez aller vous faire la même coiffure, n'hésitez pas. Nous, on va se retrouver dès demain pour des nouveaux épisodes du Let's Play, en tout cas, et cette fois-ci, à partir de demain, j'aurai les cheveux rouges. Et oui, les amis. Eh bien, je vais essayer d'entretenir ça et de le garder correct le plus longtemps. J'aimerais pas que ça devienne orange, voire rose, ce serait bête. Du coup, on va essayer d'entretenir ça et puis on verra comment ça va au fil des temps. En tout cas, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc je pense que comme costume de Noël, je mettrai juste un pull vert. Comme ça, ça fera vert et rouge et ça fera Noël, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newtiteuf. Bye tout le monde!